Guérite sa TV Monde, casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Mardi 20 décembre 2022, Matin Libre sort avec comme titre en manchette dans l'arène musicale au Bénin, Nicanor, un talent qui se bonifie. Le fils du pays en Père Noël donne un concert 100% live le 25 décembre à Canal Olympia Cotonou sous l'onction de Asuka Music à la conquête de l'Afrique et du monde. Désormais dans l'arène musicale au Bénin, son nom compte. En effet, depuis une dizaine d'années qu'il fait parler de lui, Nicanor a su s'imposer par son travail, surtout son talent qui se bonifie et se laisse remarquer aisément à chaque sortie de single. Pour le jeune artiste, auteur, compositeur et interprète, tout commence réellement à l'âge de 20 ans après ses premières classes de chant dans la chorale des enfants et par la suite au sein du groupe musical de son église où il apprend percussion et batterie. Il fit ensuite la rencontre du célèbre animateur Bercher Steve Chabi qui devient son mentor en 2011. « Oui, tu peux si tu veux », lui a confié ce dernier et depuis lors cette volonté, Nicanor l'a eu. Ce qui lui a d'ailleurs permis d'enregistrer son premier single, « Fais Chitan » et de signer son premier contrat chez la maison de production Free Business. Microcrédit à l'AFIA, Véronique Toyfodé appelle à plus de célérité dans les opérations. Suite à des dénonciations liées à des cas de discrimination et de lenteur administrative, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyfodé, a convié les responsables du système financier décentralisé des quatre départements du Nord à une séance d'échange à Natitengu. Occasion pour l'autorité ministérielle de les inviter à plus de célérité dans les opérations d'octroi du microcrédit à l'AFIA. Ceci afin de s'inscrire dans la dynamique du gouvernement. Mosquée centrale de Sakété, l'imam Soubero Moussa officiellement investi. Le nouvel imam de la mosquée centrale de Sakété, Soubero Moussa, désigné depuis 2018, a été officiellement investi samedi 17 décembre 2022 au stade municipal de la commune. Ceci en présence de la communauté musulmane, des autorités politico-administratives. Odesque Environnement, plage Fidjrossé à Cotonou, la Sobebra réceptionne et transfère un site reboisé à la Berry. Toujours à la une de Matin Libre, le rocher de la mer Rouge, un morceau de France ramassé par l'Angleterre. Les détails de ce titre sont à lire à la page 6. Pour finir, à présent, vernissage à la délégation de l'Union Européenne d'Argent. Le graffiti à l'honneur. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mardi 20 décembre 2022, vous êtes ainsi livré. À demain.